les yeux fermés. J'ai pas les yeux fermés. Si. Merci. Ça tienne? Tu viens te baigner avec moi? Y a personne. C'est magnifique. C'est quoi ce baignoire là? Je sais pas, je l'ai trouvé ici. Ça doit être à ma mère. Il te plaît? Tu vas bien. Arrête! Tu viens? T'es folle, ça caille. Mais non, il fait super bon. Allez, viens, ça va pas durer. Ma bille, j'arrive. Dépêche-toi! Cague quand même. Non, il fait bon. Ça va pas? C'est ton truc là? Ça y est, ils sont en train de passer. Je trouvais pas mon maillot. C'est pas grave. Tu me dis stop. Stop. Voilà, t'as les mains gelées. Ouais, je suis les pieds aussi. Regarde. Les pieds. Ah. Alors, t'en droite ou gauche? Droite. Milieu, haut ou bas? Milieu. Tu me lis? Ouais. Ah, l'art ne peut pas rivaliser avec cette débauche de pourpre et d'or. Ça, c'est vrai. Et est-ce que tu te rappelles du début? Quand il parle des fermiers, des paysans et du poète. J'ai pas lu dans l'ordre. Hein? J'ai pas lu dans l'ordre. Tu devrais parce que c'est super beau. Il dit qu'un fermier a tant d'hectares, qu'un autre a tant d'hectares, mais que seul le poète peut avoir tout le paysage. C'est beau, non? C'est beau. Tu l'as pas lu? Non. En fait, tu sais, je réalise que je crois que j'aime pas du tout faire l'amour dans la chambre de mes parents. J'ai remarqué. J'ai l'impression qu'ils sont là. C'est affreux. Tu comprends? Toi, tu pourrais faire l'amour dans la chambre des tiens? Pas moyen. Mais c'est toi aussi, tu veux toujours qu'on soit là? Bah, dans ma chambre, c'est plus compliqué. Il faut sortir pour la salle de bain et tout ça. C'est pas un peu mémère? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais non, mais c'est plus pratique. Ouais. Tu vois? J'ai pas envie de rentrer. Moi non plus.
Et pourtant, je dois. Il faut qu'on parte au maximum demain. Tu sais ça. Je suis absolument obligée. À chaque fois, tu vois, j'ai à peine le temps de... On va revenir. On dit ça, on revient pas. Mais si, on va revenir. Vous avez passé un bon week-end ? Ouais. C'est quoi ça ? C'est Jimmy. Bah, qu'est-ce qu'il fait là ? Allez ma chérie. Bah, comme papa est jamais à la maison, on s'était dit qu'il serait beaucoup mieux ici. Enfin, bon, papa nous a dit qu'il serait d'accord. Qui a dit que... Bah non, je suis pas du tout d'accord, c'est pour ça, j'ai pas envie d'un chat à la maison. J'ai jamais voulu un chat, c'est pas aujourd'hui que j'en veux. Oui. Ah là, c'est quoi cette histoire là? Oui, maman, tu vas voir. Mais qui c'est qui va s'en occuper de ce chat? Bah nous, t'inquiète pas, on s'en occupera. Non, mais c'était pas prévu, les enfants. Mais maman, s'il te plaît. Franchement, vous auriez dû me prévenir. Votre père aurait dû me prévenir d'ailleurs. En plus, maman, regarde, on a tout, on a déjà les croquettes et tout. J'ai tout doux. Non, mais tout doux. Mais t'inquiète pas, il te collera pas trop, il est pas très câlin. Ah bah super. En plus, il est pas câlin, c'est génial, c'est un chat. Regarde. Non, non, mais moi, je. En plus, c'est vraiment plein de trucs là, les chats. S'il te plaît, maman. En plus, comment on va faire pour les vacances? Bah, tu vas appeler papa, vous allez voir ça ensemble. Non, mais moi, je peux pas. Franchement, c'est... Oh là là. Attrapez-le, ne le laissez pas là, comme ça, courir. Qu'est-ce qu'il... C'est pas sympa, moi, je t'en prie, père. C'est pas... Vraiment, c'est pas cool, là. Samuel! Viens, je vais l'installer. C'est toujours de la même manière, tu mets toujours devant le fait accompli et moi comment je fais? Tu vois, non, non, c'est pas cool, c'est pas sympa. Jean, c'est pas sympa. Ouais, d'accord, parle-moi sérieusement, oui, oui. T'exagères, vraiment t'exagères. Allô? Oui? Ouais, j'attendais ton appel. Ah, super! Ah, c'est génial! Parce qu'il est tellement joli, ce lieu. Ouais, voilà, parfait. Et puis non, on reparle de tout, de toute l'organisation, du coup, demain après-midi. Moi, je serai au bureau, je sais pas, vers 15h. D'accord? C'est quand ton truc au floor? Jeudi. Tu vas venir? Pas sûr. Je sais pas encore quand je pars à New York. Tu sauras quand? Ben aujourd'hui, j'espère. C'est toujours à la dernière minute. Moi, je pourrais pas. Tu vas rester combien de temps? 2-3 semaines. De toute façon, je rentre dès que j'ai fini le montage. Ça me faisait tellement plaisir que tu sois là. Peut-être que je serai. C'était un prix important et c'était mon protégé. T'oublies pas qu'on doit accrocher le projecteur? Ton colloque? Le 19 mai. C'est sur quoi déjà? La folie qui guérit. C'est sur les pratiques chamaniques. Ce serait bien d'inviter quelques journalistes. Je vois pas le rapport avec le bouquin. Aucune importance, juste des fidèles. Je suis sûr que ça les intéresserait. Au pire, ils seront flattés qu'on ait pensé à eux. Oh bon. Si tu le dis, c'est toi le chef après tout.
Allez, t'as vu l'article sur le Nouvel Obs? La presse est encore plus enthousiaste que sur ton premier livre. Non, c'est moi qui suis enthousiaste. Tu te vois. Moi aussi. Ça me fait très plaisir. Sincèrement. Ah, j'ai pris 3 livres. Ils sont dans mon sac, tu m'y feras penser. J'ai pas vu ton mec à la conférence, il était là? Non, il est à New York. Ah, c'est con, j'aurais adoré le rencontrer. Je vois pas pourquoi. Allez, au travail. Je sais, babysitter est malade, il faut que j'aille chercher Samuel à 16h30 à l'école. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu restes avec ce mec. Y'a rien à comprendre. Tu dis toi-même qu'il te rend malheureuse, mais tu retournes à chaque fois. Je l'aime. Ouais. Ouais. Je te vois pas. Non. Ah, ça y est. Ça va, mon amour? Ça va. Toi? Je suis à la bourre, par contre. Juste 2 minutes. Je voulais t'embrasser avant que tu partes. Bah, c'est cool. Marcel? Ouais, je range en même temps, je t'écoute. Bah, tu peux me parler 2 minutes, quand même. Ton avion, il est plus tard, non? Ouais, j'ai 40 à faire. Tu déjeunes avec qui? Quoi? Tu déjeunes avec qui? Avec Kim. Kim, ton ex? Ouais. Tu l'as pas vu depuis combien de temps? Hein? Tu l'as pas vu depuis combien de temps? Tu penses que c'est pareil? Je t'entends plus, là. Je t'entends pas. T'es en image arrêtée, je t'entends plus. Qu'est-ce que tu me disais? Depuis combien de temps tu l'as pas vu? Depuis qu'on s'est séparés, il y a 7 ans. Et si je t'avais pas appelé, tu m'aurais rien dit? Si. Bon, on s'est parlé hier. Elle m'a appelé après, elle avait un truc important à me dire avant. C'est incroyable. Elle avait un truc important à te dire et comme par hasard, t'es à New York à ce moment-là. C'est dingue, ton histoire. Attends, je vois... Je vois vraiment pas pourquoi je te mentirais, là. Ouais. Faut vraiment que j'y aille, là, je suis à la bourre. On se voit demain. Ciao. Allez, ciao, je t'embrasse. Je t'embrasse, ciao. Elle est enceinte. Ah bon? De qui? Son mec. Pourquoi tu fais cette tête? Bah, je fais pas de tête. J'avais peur que ça te blesse. Pourquoi ça me blesserait? Je sais pas. On n'a pas d'enfant ensemble. Quel rapport avec cette fille? J'avais peur que ça te fasse de la peine. C'est étrange. Ah non, 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 non. Non. Mais... T'es beau. Quand je pense que je t'ai jamais vu sans ta barbe, je crois que je supporterais pas que tu te la rases. Ça doit être mon côté christique. T'es comment en dessous? Si tu savais. J'ai l'impression que je connais que la moitié de toi. Oui, mais c'est la bonne. Ça veut dire quoi? T'as quelque chose à me cacher? C'est toi qui as quelque chose à me cacher. Encore? T'as pas envie? Si. Tu peux pas résister. Toi, non. T'es jamais fatigué? Tu sais, quand j'avais 12-13 ans, je me branlais déjà. Ah bon?
Beaucoup? Je sais pas, 2-3 fois par jour, au moins. Et ça arrive encore maintenant? Tu veux pas qu'on parle d'autre chose? Ça te gêne ou quoi? Pas du tout. C'est juste que moi, parfois... C'est bon. Non! C'est bon. Attends, reste. Laisse-toi faire. Du jambon. Juste des œufs, j'en ai déjà mangé à midi. Bon, on va faire des pâtes avec. Ok, merci. Ok. Ah, en gros, la sauce tomate trop bonne. Ouais. C'est quoi? C'est l'étalonnage de ma pub qui est fait. Mmh. Je vais vous montrer. C'est quoi l'étalonnage? Voilà, c'est le travail de l'image. On fait un post-prod, contraste, couleur, tout ça. T'as vu la récupérer Jimmy, le chat chez papa? Cool. Regardez, elle est là. Tu veux que la procédure, on dirait Haïti. Suzanne? Ouais? Tu viens? Ouais, j'arrive. Tu me montres? Bon? Ouais. Mm-hmm. Samuel, tu manges pas un bonbon là? On va manger dans 5 minutes. C'est super. Hein? Ouais, c'est vachement bien. Après la fin, ça va bouger. Mais sinon, tout est là. Ouais, tout est là. C'était galère, hein. Bertrand, étalonnage, faut que j'arrête de bosser avec lui, c'est pas possible, quoi. Il y a un égo comme ça, il faut que je sois sur chaque plan. Enfin, pourquoi tu retravailles toujours avec lui? Je sais pas, à chaque fois, je me dis que ça va se passer, quoi. En tout cas, c'est super beau, hein. Ouais. Ouais. Bien. Ouais, vraiment. Et ça va rester comme ça, c'est tout. Ouais, mais à la fin, là. Après, à revoir, mais c'est pas grand-chose. Après, j'ai une autre version, je vais te montrer. Attends, je finis de préparer à dîner pour les enfants. Vite fait, c'est... Non, mais après, on sera plus tranquille. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Mon cœur, tu peux comprendre? Je comprends bien. Je termine de la préparer à dîner et après, on regarde. Quand ça me concerne, ça passe après. Allô, mon cœur? T'es chez toi? Tu veux prendre un café? Ouais, je suis là dans 2 minutes. J'arrive.
Allô? Allô. T'étais où? Je dormais. Tu dormais? Ouais, je dormais. Ça fait au moins 20 fois que j'essaie de taper sur ton fixe. Ouais, ouais, mon portable est sur silence. Le fixe est... avec les deux... Quoi? Seulement avec les deux portes fermées parce que je dormais, justement. T'as pas eu mon message? Si, mais j'étais crevé, je me lève tôt demain, je préférais dormir chez moi. T'aurais pu m'appeler pour me prévenir. Je pensais que tu dormais, je voulais pas te réveiller. Bah, je sais pas, m'envoyer un SMS. J'attendais. Bon, de toute façon... Quoi? De toute façon, je ne... ce soir. Je t'entends pas. Quoi? De toute façon, je ne pouvais pas ce soir. Oui, tu peux jamais quand je te le demande. Oh là là, bon, on a déjà eu cette conversation. Là, il est matin. Je t'entends pas. Il est matin. Allô? Allô? Oui. Non, non, je t'entends. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il est 3h du matin et que je me lève tôt. Au fait, j'ai lu l'interview avec les photos que t'as faites avec Marie. Ouais. Je voudrais comprendre ce que tu sous-entends quand elle te demande ce que ta barbe provoque et que tu lui réponds que les femmes adorent ou détestent. Bah alors, je t'entends pas. Rien de spécial. Ouais. Ça va? Putain, mais tu peux faire un effort, je t'entends pas. Rien de spécial, c'est une généralité. J'entends rien. Je t'entends pas. Bonjour, c'est Marcel, laissez-moi un message. Bonjour, c'est Marcel, laissez-moi un message. Allô? Oui. C'est quoi alors ton problème? Ton truc avec les femmes qui adorent ou détestent ta barbe? Je te dis, c'était une généralité. J'ai dit les femmes, j'aurais... Comment une généralité? Mais tu parles pas des enfants ni des hommes, tu parles des femmes. Pour moi, c'est pas une généralité. Bon, c'est pour ça que tu voulais que je vienne à Pompierre. Pas du tout. J'avais oublié. Pas du tout. Pas du tout, j'avais oublié, mais ça me remonte là. Et puis c'est aussi parce que Marie est une amie que je t'ai mis en relation avec elle. Et ça me fait pas tellement plaisir que tu puisses lui dire ça sur son magazine. Écoute, Suzanne. Depuis que tous les gens lisent. Demain à 10h, on reparlera. Je me fous de ta réunion. Je me fous de ta réunion. En plus, c'est à 10h. T'aimerais, toi, que je dise. Que je dise dans une interview, ouais, les hommes ils détestent ou ils adorent ma coupe de cheveux? Ou je sais pas, autre chose? Tu sais, je t'assure que je le prendrai pas comme ça. C'est faux. Et c'est facile parce que je le ferai jamais. Je te ferai jamais ça. Parce que moi, je fais attention à toi. Bon, Marie, je vois, ouais. Je vois bien, là, comme tu fais attention à moi. Alors, bon, maintenant, moi, je vais me coucher. Je te dis bonne nuit. Tu vas pas raccrocher, là? Ben, si, tu veux pas raccrocher, c'est moi qui vais devoir le faire, là. Ça fait 3 heures que j'essaie de t'appeler. Je suis morte d'angoisse. Je suis super angoissée et tu peux pas me parler 5 minutes. Je te rappelle matin. Je t'entends plus. C'est urgent. Je t'entends plus. Tu peux me parler ou quoi? Je t'entends pas. Je t'entends pas là. Tu peux me parler? Il est 3h du matin, il n'y a pas d'urgence. Hein? Si, pour moi, il y a urgence. Et si tu n'entends pas et que tu raccroches, c'est fini. Tu me verras plus. Bon, très bien. Là, tu me fatigues avec tes menaces, alors je te dis bonne nuit. T'es odieux, je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, comment tu peux être aussi méchant alors que t'es censé m'aimer? Reste avec les femmes qui adorent ta barbe. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix! Tu me verras plus! Tu me verras plus jamais!
J'ai décidé de faire ce voyage au Japon, dont je rêve depuis toujours. Je suis dans le taxi pour l'aéroport, et déjà je me rends compte que la seule personne que j'aime, avec qui je me sente bien, se trouve à 100 mètres de chez moi. Je pourrais faire demi-tour. Enfin, il ne fait pas demi-tour. Il le dit, il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Ouais. Il est au Japon, là. Ouais, depuis 10 jours. Ça me rend dingue. J'ai essayé de l'appeler, il y avait une drôle de sonnerie, et après ça a coupé. Et depuis que tu lui as dit que c'était fini avec cette histoire de barbe, il t'a jamais rappelé? Non, mais il rappelle jamais. C'est toujours moi. Mais je te trouve pas si mal, moi. Parce que t'es là. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Je t'assure, t'es bien sans lui. T'es mieux, t'es plus détendue. Non, je te jure, quelquefois, je me demande comment je fais pour tenir. Tu me trouves plus détendue sans lui? Mais oui, avec lui, t'es tout crispé. Mais je t'assure, non, mais je t'assure, t'es tout le temps dans le stress, là, tout crispé, ça va jamais. Ça fait 3 ans que c'est un cauchemar. Je l'aime trop, Agathe. J'arrive pas à vivre sans lui. Je sais, c'est nul, mais... T'as dîné en plus. Va te coucher, Anna. Vraiment, il est tard, là. Allez, vraiment. Vas-y. Viens me faire un câlin et va te coucher. Bonne nuit. Ciao, dors bien. Ok, je vais essayer. Bonne nuit. Mais qu'est-ce que t'aimerais? En gros, le truc idéal. Qu'il revienne. J'aimerais qu'ils reviennent là, à la porte, là, tu vois, qu'ils reviennent me chercher. Tu crois qu'il va revenir? T'espères pas, toi. Mais j'en sais rien. Léna, j'ai peur de m'angoisser demain. Mais non, mais ça va aller, écoute. Je te trouve bien, je t'assure que c'est bien. Vrai. Mais oui, t'es toute belle. 3 ans, voilà, 3 ans, une belle histoire de 3 ans, et puis après, voilà, t'étais pas très bien avec lui, t'étais tout ça n'allait jamais. Non, mais les trucs qui vont pas, sa fille ça va pas. Oui, sa fille, ça va pas mieux. Vera, ça va, non, pas du tout. Bah, tu vois, donc bon, elle me répond pas quand je lui parle, enfin c'est vraiment, elle m'ignore. Attends, franchement, tu fais la colonne de ce qui va pas et de ce qui va. C'est vrai, je devrais faire. Je sais pas trop, tu vois. Oh. C'est pas un mec pour toi, je t'assure, tu vaux beaucoup mieux. Je suis attachée à lui. Puis physiquement. Ah oui, non, c'est sexuellement. Ça. Tu vois, c'est ça. Ouais, c'est le problème. C'est ça. Genre, tu vois, il n'y a aucun mec qui me. Tu vois, qui m'attire. Aucun. Aucun. Je suis, tu vois. Non, mais attends, tu viens. J'ai dans la peau. T'as rompu il y a 10 jours. Oui, non, mais je veux dire. Enfin, tu vois, je l'ai dans la peau. Ah non, il n'y a que lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être tu vas avoir un troisième enfant déjà. Voilà, moi, je vais avoir un troisième enfant. Super joyeuse. Peut-être, parce que c'est peut-être juste, tu vois, une bouffée. Moi, je sens que tu vas avoir un troisième enfant. Enfin, j'ai un rapport sexuel. Hein. Un rapport sexuel. Un rapport enfant. Sexuel ce mois-ci, claque, un enfant. Bah, alors ça, tu m'expliquerais ce que c'est qu'un vrai couple. Non. Tout ça, c'est des petits trucs. Je crois vraiment l'important, tu vois, c'est les projets communs. Un enfant, la maison, la campagne, ça, c'est un projet pour moi. Je sens vraiment que c'est important, là, que j'ai un endroit où poser mes affaires, tu vois. Enfin, pour le moment, je vois pas comment on va l'acheter, cette maison. Eh ben, si tu penses comme ça, c'est sûr que ça va pas venir, quoi. Faut que tu visualises, faut que tu... Vraiment, le désir, tu vois, c'est un truc qui est pas plus puissant, en fait. Une fois que t'as le désir, que t'es clair, tu vois, tu prends vraiment le temps. Après, ça vient tout seul. Tu connais le Vexin? Non. Mes grands-parents, ils avaient une maison là-bas. C'est dans l'Oise, c'est magnifique. C'est vallonné. Tu vois, là. Quoi? Ben, c'est ça. Là, tu visualises. C'est tout, y a rien de plus à faire, quoi. C'est dingue, tu vois, même, ça change même ton visage. C'est vrai. Ah ouais, ben, tu le sens. C'est fort, hein. Mm-hmm.
T'as pas oublié les pâtes de lapin? J'ai compris. T'as bien pris de la tenace? Ah non. Le mec m'a proposé une autre peinture plus couvrante et moins chère surtout. Si le mec t'a proposé, il doit savoir mieux que moi. Ça va, je t'ai cherché tout ce que tu m'as demandé. Excuse-moi de t'avoir pris ta Tulins qui coûte une fortune. Tulins. Bon, ben, je crois que t'as fait une affaire. Hein. Alors, si elle n'est pas assez couvrante, comme il t'a dit, il va falloir passer une deuxième couche. Donc, tu ne vas pas devoir retourner voir ton ami. Voilà, je crois que t'es gagnante. Ça va pas, là. T'avais qu'à y aller, toi aussi. J'ai que ça à faire. J'ai un dossier à rendre demain. Hein, donc j'ai que ça à faire que repeindre ton putain de coffre, en urgence, parce que le bleu ciel rompt l'harmonie du jardin de madame. Fallait me dire clairement que tu pouvais pas le faire aujourd'hui. Ça fait des mois qu'on doit le faire. Je pouvais attendre un week-end en plus. Pardon, ma gonfle. Écoute, elle y va pas mettre une combinaison qui lui va à m'immoler. Oui, Jean, je sais ce que coûte le ski. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que je n'y vais plus. Mais vas-y avec lui, il faut qu'il soit là pour essayer. T'as un décathlon à côté de chez toi. Écoute, j'ai vraiment pas le temps, là. D'accord? Ok, j'irai avec lui ce week-end. Ok? C'est la dernière fois, hein. Ciao. Marcel, tu m'écoutes? Quoi? C'est pas demain que tu vas voir ta sœur? Ben finalement, non. Pourquoi? Je croyais. Je m'étais dit que je pourrais en profiter pour écrire. Ça fait longtemps que tu m'as pas parlé de ton roman. C'est pas un roman, c'est un récit. Puis si je t'en parle pas, c'est parce que ça avance pas. Mais y a pas de problème, tu pourras bosser tranquille. Je mettrai dans la chambre, je regarderai un film. Bah, si t'es là, c'est plus compliqué pour moi. Là, je vois pas du tout pourquoi. Bah, si tu es là, je préfère être avec toi. Si tu préfères rester seule, tu ferais mieux de me le dire. J'ai pas envie de rester seule. C'est que c'est pour moi la seule façon d'écrire. J'arrive pas sinon. Tu peux comprendre? Ouais, ça je peux comprendre, ouais. J'ai un peu un scénario à écrire si tu veux. Bah, pourquoi tu l'écris pas? Écoute, y'a pas de problème, je vais te laisser travailler, moi je vais faire mes trucs. Je t'empêche pas d'écrire ton scénario. Non, t'inquiète pas pour moi, je vais aller faire mes trucs, y'a pas de problème. Marcel!
Allô, Paul, c'est Suzanne. Est-ce que tu peux me rappeler? Je t'embrasse. Quel déhanché! Eh oui, merde! La petite danse tahitienne, rien que pour toi! J'adore! Dis, j'ai un service à te demander. Accordé d'avance! Quoi? La danse? C'est ça? Ça marche à tout. Tu sais, il y a Tom, mon pote de Los Angeles, là, qui arrive à Paris. Il a nulle part où se loger, il a pas une thune. J'aimerais bien lui prêter mon appart. Et tu voudrais t'installer où pendant ce temps? Ben, ici. Ça t'emmerde? Au contraire. En plus, t'auras du temps pour fixer l'écran. Dis donc, il est beau mec, ton psy écrivain, là. Ouais, il est assez beau. Ouais, tu m'avais pas dit. Ça fait longtemps que vous connaissez? Ah ouais, au moins 10 ans. C'est bizarre, là, parce que tu l'as édité en 2005. Ah oui, mais je le connais depuis plus longtemps. Vous avez une histoire, tous les deux? Pourquoi tu réponds pas? On est couché ensemble, quoi. Hein? Tu me parles? Ouais. Tu veux pas qu'on dorme, là? Ça me gêne, ta lumière. Même avec le masque. Je l'ai un petit peu encore. Tu éteins? Tu vas éteindre? Ouais, j'arrive. T'aimes pas? Quoi? Mon chignon, t'aimes pas? Pourquoi tu dis ça? Je te connais. T'as rien contre ton chignon. Dans le fond, tu t'en fous. Pourquoi t'éteins toujours ton portable quand t'es ici? Je t'ai dit, j'aime pas le téléphone. Je comprends, mais t'as une fille et un travail, et pourrais chercher à te joindre. Ma fille, elle a une mère. Elle a un père aussi. Tu sais? Quoi? Je crois que j'aime bien sentir quand t'es en visite. Que tu peux partir à tout moment. Donc tu peux me dire de partir. C'est l'usure qui me fait peur. T'inquiète, si je la sens venir, je te dirai. Ouais, s'il te plaît. Que ça me laisse le temps de me retourner. D'appeler Paul? Paul ou un autre?
voler, tu devras prendre le premier train. C'est pas grave? Rien n'est grave. C'est bon, t'as noté? Oui. On y va. Quoi? La tête que tu fais, on va pas y arriver. On y va. On va où? Ah, c'est une barbe. Ouais, mais je suis pas habituée à te voir comme ça et... Ça me semble bizarre que tu m'aies pas appelée pour m'en parler, quoi. Mais quoi, tu veux que je te demande si je pouvais me raser? Non, mais... Je sais pas, c'est un choix qu'on aurait pu faire à deux. Je sais pas, t'es avec moi? On est ensemble? Rajeunis. T'es beau. Merci. Non, mais... Mets-toi à ma place. Bah, c'est difficile. Marcel? C'est notre femme qui t'a demandé de te raser. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'en renseigne. Toi qui as peur de l'usure, ça te fait un autre homme, non? J'ai jamais demandé à un autre homme. N'oublie pas ton portable. T'inquiète, je n'ai laissé aucune trace. On se voit ce soir? Ah non? Ma fille, je pensais vraiment qu'au bout d'une semaine, tu aurais envie de rester seule. C'est pas grave. Je t'appelle. De retard. T'es sur ton coup, hein?
perds pas, hein. Sans ça, tu peux plus l'enlever. J'en rêvais. Quand on n'y arrive pas. Je sais pas. On est ensemble depuis 5 ans. On s'est déjà séparés. On est au bord de la rupture tous les jours. Je sais pas quoi faire de plus, moi. Je t'ai proposé la thérapie de couple, tu veux pas? Je vois pas en quoi ça nous aiderait à construire. C'est une violence en plus. Formidable si on veut se séparer. J'y suis allée 3 fois avec Jean, après notre séparation. Ça a été radical. Au moins, j'ai compris que j'avais pris la bonne décision. Ah ouais. Il a décrit devant moi au thérapeute une femme épouvantable. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'était de moi dont il parlait. Je crois qu'il m'avait totalement oublié. C'était une idée. Puis nous, on n'y va pas pour se séparer. On y va pour trouver quelqu'un qui nous aide à communiquer. C'est ma thérapeute qui m'a conseillé. On n'arrête pas de communiquer, Marcel. Ouais, mais on se comprend pas. C'est pas parce que son boulot a été annulé qu'il faut que je change mes plans, quoi. Je suis pas pendu un clou. Oui. Oui, je comprends, Marcel. Comment ça, vous comprenez? Depuis 4 séances, il dit qu'il en a assez de passer des week-ends seul avec sa fille, qu'il veut vivre avec moi, mais que c'est compliqué, parce que je veux, soi-disant, enfin, je ne peux pas, soi-disant, vivre avec elle et passer du temps avec elle. Et vous comprenez qu'il refuse? C'était l'occasion d'être tous les trois. J'ai jamais dit que j'en avais marre de passer des week-ends. Si, tu l'as dit. Si. On a passé toute la dernière séance à parler que de ça. Et de ton ex aussi. C'était pas le bon moment. C'est jamais le bon moment. De toute façon, tu veux pas que ça s'arrange. Suzanne, calmez-vous. Vous vous rendez compte? Qu'il arrive même pas à m'emmener en week-end alors qu'on essaie d'avoir un enfant ensemble. Ah.
Non, mais t'inquiète, y a pas de problème, je comprends. Ouais, tu fais comme tu sens. Merci. Et puis tu sais, quoi ? Y a aucun problème. Merci. Mais tu sais, je crois que Marcel sera ravi de venir seul pour retrouver ses vieilles copines. Bon, je te laisse avec ton pote. Ça marche. Ciao, Tom. Ouais, t'embrasses fort Nedra ? Ouais, je l'ai dit. Ciao. Bisous, ciao. Et dis donc, mec, en parlant de tes vieilles copines, il y a Nedra qui est tombée sur ta collection de porno que t'avais laissée en partant. Hein. Attends, je t'entends pas. Il y a un mal de... Ah, c'est dingue, c'est ça. Ouais, ça y est. Bah, de toute façon, je t'entends pas bien, je vais raccrocher, puis il faut que j'y aille, là. D'accord ? Hein ? Allez. Ouais, je te rappelle, tu vois. C'est quoi cette histoire de porno ? Nedra, elle est tombée sur ses pornos, il a dû dire ça pour se couvrir, je pense. Ouais, c'est ça. Pourquoi il t'aurait dit ça maintenant, alors qu'elle est même pas là ? Je sais pas. Ne me mens pas, ça me rend dingue. Je te dis que je sais pas. Tu sais quoi ? Je vais le rappeler. Passe-moi ton ordinateur. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Voilà, Tom. Ouais, ils ont aussi des pornos qui ont 20 ans. Arrête de dire n'importe quoi. Tu t'enfonces, là. Tu m'avais pas dit que Tom, il avait tout oublié depuis son accident ? C'était quand, son accident ? Il y a 10 ans ? Et toi, il y a 20 ans, tu vivais pas à Los Angeles, que je sache. Tu sais ce qui me choque, Marcel ? C'est pas que tu regardes des pornos. Même si moi, ça m'a jamais vraiment intéressée. C'est qu'on vit ensemble depuis tout ce temps-là. Qu'on soit ensemble depuis tout ce temps. Et que tu m'en aies jamais parlé. Pire. En fait, ce qui me fait le plus de mal, c'est que je m'en sois jamais doutée. Ouais, c'est ça, je crois. C'est quoi ces pornos, Marcel ? Tu le regardes depuis quand ? Depuis toujours, comme la masturbation ? Pourquoi tu regardes des pornos ? Tu pourrais me les montrer ? On pourrait les regarder tous les deux. Ce serait plus festif, non ? Je croyais que j'étais ton seul fantasme. Que tu vivais une sexualité complètement épanouie avec moi. Si, ça a à voir. C'était qui cette fille ? T'es jalouse. Non ? Mais je dois avouer que ça m'énerve un peu. En fait, tu préférais que je sois tout seul. Bah alors, c'était qui ? Ça veut dire que je te plais toujours. T'as jamais cessé de me plaire. Une chose est sûre, on fera un beau couple tous les deux. Tu te trompes, tu sais. Je suis pas une femme pour toi. Moi, je suis là, je t'attends. Tu plaisantes pas ? J'aime Marcel. Non. Moi aussi, tout le monde aime Marcel. J'ai des films misogynes. Très sympa avec moi. Pour cause.
regardes pas tes messages? Vu comment c'est passé la dernière fois. Tu dors? Ouais. Je sais pas comment tu fais pour dormir. J'essaye. J'arrive pas, Marcel. La traduction allemande, il demande une préface de 3-4 feuillets. Tu crois que ce sera possible pour la semaine prochaine? Ah oui, et pour la table ronde du 12, il faudrait que tu envoies la confirmation à Lopez. À moins que tu préfères que je le fasse moi-même. C'est la grande forme, dis-moi. Pourquoi tu dis ça? C'est fini avec Marcel. Ah, merde. Et c'est définitif? Ouais, j'en peux plus. C'est toi qui es parti? Ouais, mais ça se demandait si il attendait pas que ça. Il a rien fait pour me retenir. Et qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Je sais pas, qu'il se bagarre. C'est un peu trop lumineux, le pauvre. À chaque rupture, c'est toujours moi qui retourne le chercher. Oui, mais à chaque rupture, c'est toi qui pars. Il m'épouse. Je commence à me demander si j'ai pas un vrai problème. Tu crois que je suis trop exigeante? Non, tu choisis pas les bons. Je l'ai déjà dit. C'est le moment jamais de te mettre à l'écriture. Tant que tu feras pas quelque chose de créatif, ça ira pas, puis tu le sais très bien. T'as du talent. T'as du talent. Arrête de le gâcher en t'occupant des autres comme ça. C'est
C'est gentil. Non, c'est pas gentil, c'est vrai. Et Lopez, ça me fait chier. Je la sens stand-by, alors. Stand-by. Ça va? Ça va. Je suis pas Marcel, mais ça va. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Tu m'as tellement dit que c'était fantastique avec lui, c'est... C'est pas évident pour moi. Tout va bien. C'est juste que ça me fait un peu bizarre qu'on soit là ensemble. Ouais. Ouais, c'est bon. Volontiers. Anneau. Tu t'es coupé? Non, c'est un ancien truc que j'ai. Ça m'a manqué. Moi aussi. On est bien comme ça. Plus d'emmerdes, plus de reproches, plus de sexe. Le meilleur, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as récupéré le chat de Vera? Il est gros. On est bien sur ton lit. Ouais. Tu y as amené beaucoup de filles depuis qu'on est séparés? Pas trop. Comment ça, pas trop? Combien? On était séparés, hein. C'est toi qui m'as quitté. Trois.
coûtait mieux qu'une seule. Comment tu peux dire une chose pareille? Bah, tu me demandes. Tu préférais que je te mente? Non, je préférais que tu l'aies pas fait. Garde ça un peu pour les autres. C'est bizarre quand même que tu sois resté là. Bah, c'est plus pratique. Comment ça? Bah, quand on s'est séparés, un appart s'est libéré au 5e. Donc pour Clara, c'est vachement mieux. Ne me dis pas que ton ex habite là-haut. Bah, si. Elle a pas les clés quand même. Si, si, mais elle sonne tout le temps à mon entrée. Tu t'en vas? Je préfère. Non mais blague à part, elle s'en fout, hein. Moi aussi. Mais je préfère rentrer. Tu crois qu'il y a avec ça entre nous? Faut croire. Visiblement, tu te passes très bien de moi. Pas vraiment. Et toutes ces filles que tu t'es tapées. C'est ma manière à moi de me protéger. Je vais finir par me demander si tu t'en tapais pas quand on était ensemble. Jamais trompé, je t'ai dit. Sans mal. Sûrement une autre connasse que t'as sauté. Putain, j'en peux plus.
T'es un malade, tu me dégoûtes. T'as raison, je suis malade. Et là, c'est parce que tu crois. Je suis dépendant. Je commence à me soigner. Quoi ? J'ai commencé à me soigner. Je suis un programme de réunion. Ça s'appelle le DASA. DASA, ça veut dire quoi ? Dépendant affectif et sexuel. C'est comme les alcooliques anonymes. Et il y a aussi des participants. Je comprends pas. Bah, c'est que j'arrive pas à vivre l'amour. Parce que c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. C'est comme une drogue, si tu veux. Qui remplit un vide et en même temps dont on essaye tout le temps de se débarrasser pour être libre. C'est pour ça que tu tapais des filles pendant tout ce temps. Dès que tu sentais ce vide. Je t'ai jamais trompé. Je regardais des pornos. Il m'arrivait de guetter des filles dans la rue quand j'allais pas bien. J'ai jamais rien fait de plus. Alors pourquoi tu vas à ces réunions ? Parce que j'en peux plus. Parce que c'est épuisant de toujours lutter. Parce que ça me fait souffrir. Je fais souffrir les autres aussi. Les autres ? Toi, ma fille, ma mère. T'es pas obligé d'aller à ces réunions. On peut se battre tout seul aussi. Moi pas. Pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Pourquoi ? J'avais peur de te perdre. Ce qui me tue, c'est le mensonge. Beaucoup de mal. J'étais inconscient. J'en suis désolé. Si je pourrais pas te donner tout de suite tout ce que tu veux. Ce que je sais, c'est que c'est avec toi que je veux être.
Pas du tout. Tu verras, c'est encore meilleur. Ça va pas? C'est bien, non? Ça fait peur aussi. Je suis là. Ça me plomberait, moi, toutes ces histoires. Moi, non. Il y a des gens plutôt cool. Comme Lila? Lila et d'autres. Enfin, je comprends toujours pas ce que tu y fais 2 à 3 fois par semaine. Alors, je t'informe que quand t'es en couple avec un dépendant, tu es codépendant. C'est la meilleure. Tu voudrais que je vienne aussi? Bon, ça va aller. Je plaisante pas. Si tu en avais besoin, je le ferais. Tu pars quand à LA? Le 12. Et tu rentres après le montage? Ben non. En fait, je voulais en profiter pour voir mes potes, passer un peu, prendre un peu de temps là-bas. Tu les as vus au mariage de Tom? Ouais, ben ça fait quand même... déjà un petit moment. Et tu rentres quand? Le 9. Le 9? Mais ça fait plus de 3 semaines. Ouais. Et tes réunions? T'en fais pas pour ça. Si, je commence à m'en faire, justement. Ça fait 1 an que je passe 5 jours par semaine, seule, avec mes enfants. Pour t'aider à travailler la dépendance et l'autonomie. Parce qu'en plus de tes réunions, de ton travail et de ta fille, tu dois aussi apprendre à rester seule. Je t'aime et je le fais avec plaisir. Pour vous donner encore une chance. Mais si là, t'es capable de tout lâcher, juste pour voir tes potes et pour amortir ton billet, je me dis qu'on a un vrai problème. Ça permettra d'écrire ton récit. Arrête, Marcel. Pousse-toi.
T'es où, là? Je suis un pote de Tom. Il y a trop de bruit à l'hôtel. Et toi? T'es partie toute seule? Oui. Avec qui tu veux que je parte? Je sais pas. Un salon qui a sauté, c'était l'occasion. Je regrette pas. Il fait un temps un peu mitigé, mais je suis tous les jours sur la plage. Tu connais? Bah sûrement, mais tu me connais, je vois personne. Faut que je te raconte. On m'a proposé un truc assez excitant. Je crois que je vais sans doute le faire. Je suis en train de voir si je peux pas prendre quelques écrivains et monter ma boîte. Ça va me faire pas mal de travail, mais je serai vraiment libre. Eh oui, t'as envie de ça? C'est super intéressant. Et aujourd'hui, je crois que j'ai envie d'être seule. Je t'expliquerai ça plus précisément quand tu seras rentrée. Et toi, ça se passe bien? Ça va. Je commence à en avoir marre. J'aime plus cette ville, je crois. J'avoue que 12 jours, c'était un peu long. Trop, je le ferai plus. T'inquiète, dans 3 jours, je suis rentrée. Tu m'entends? Allô? Ouais. T'es là? Ouais, je suis rentrée dans 3 jours, je te dis. Tu seras rentrée, hein? Ben oui, je te l'ai dit. Je rentre exprès. J'ai soif. Oh, fume-moi bien une clope. Tu refumes. De temps en temps, je peux pas tout faire. S'il te plaît, dans mon blouson. Je les trouve pas. Allez, ils sont dans une poche. C'est quoi ce numéro? C'est moi. C'est rien, c'est un numéro d'un prod que j'ai rencontré. Avec une écriture rose? On l'a trouvé avec ce stylo. Il a une écriture bien féminine, le producteur. Arrête de me mentir. Je te mens pas. Appelle-le. Laissez votre cœur se dilater. Laissez aller. Voilà, laissez-lui prendre toute la place. Pour le foie, ça va. Okay. Je pars plus côté cœur, ouais. Poumon, mais foie, ça va, donc il y a moins de... Moins de tension. Il y a moins de colère. Mm-hmm. Ah, ouais. Le foie, c'est la colère. Hein. Ah ouais, je me sens... C'est la foi et c'est aussi la colère. Ouais. Hein. Ouais. Ah bah, je me sens plus en colère du tout, mais plus du tout. Et les amours? Je sais pas ce qui va se passer, mais... Un jour à la fois. Je suis passé prendre des tirages, Maria m'a dit que tu serais là. Non, c'est du pipeau, je vais voir comment ça allait. C'est gentil, ça va bien. Ça se voit, t'es radieuse. Et toi? On est toujours copains? Bien sûr. Allô? Qu'est-ce que tu fais là? Je
suis pas sûre d'avoir envie là maintenant. Ok, rentre. C'est pas ouvert? Bah, c'est ridicule, rentre. J'aime pas trop ce côté, je sonne à l'improviste. Tu laisses pas trop le choix là. Je te laisse un texto pour qu'on se parle au café, tu réponds même pas. Tu me parles pas comme ça devant chez moi. Allez là, peut-être, non. C'est fini. Je te l'ai dit. C'est fini. J'ai décidé de me protéger pour une fois. Ouais. Ouais, ça dure une heure quand même. On va se quitter après 8 ans sur un coup de téléphone. Faut croire que si. On peut parler, non? Je crois qu'on s'est déjà tout dit. Je connais que je t'ai beaucoup insécurisé, mais je t'ai jamais trompé. C'est pas parce qu'une voyante te raconte des conneries qu'il faut les croire. J'ai pas besoin d'une voyante, Marcel. Faut croire que si, il faut croire que si. J'ai toujours tout senti de toute façon, mais je me faisais pas confiance. Tes voyages, tes téléphones coupés, tes vieilles copines soi-disant. Ton côté, je sais pas mentir. J'aurais au moins compris une chose essentielle. Je sens tout. J'ai jamais aimé aucune femme avant toi. J'aurais pas tout risqué pour une vulgaire coucherie. Une. Continue à te mentir si tu veux. Moi, je sais. Et aujourd'hui, c'est plus le problème. Tu m'as trop menti. J'ai plus confiance. D'ailleurs, j'ai jamais eu confiance. C'est surtout cette vie qu'on a, depuis tout ce temps, sans engagement. Je la trouve minable. Chacun de son côté, comme deux égoïstes, à regarder nos films, à lire les mêmes bouquins qu'on achète en double. On arrive à peine à partir en vacances ensemble. C'est pas comme ça que je veux vivre. Je veux partager. Tu comprends ? Je connais que ça peut être, pour une femme, ça peut être moins évident. Pour une femme, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais. Pour tout le monde, Marcel, c'est minable. C'est minable et c'est stérile. Mais dans ce cas-là, on s'assied, on en parle. J'ai essayé de t'en parler pendant 8 ans. 8 ans qu'on discute. Qu'on en parle. 8 ans que j'essaye. C'est bien toi qui m'as encore dit il y a un mois qu'un lien te suffisait. Un lien fort, ouais. Après, je peux comprendre que ça te suffise plus. En effet, ça me suffit plus. Et depuis longtemps. Plus j'en ai assez d'être considérée comme une drogue dont on doit se débarrasser. C'est pas ça. Si, c'est ça. Si. T'es pas guérie, visiblement.
Moi, je crois que je le suis. C'est bien. J'encaisse plus la douleur. Je t'aime, mais j'ai envie d'être heureuse. Bien avant qu'on se soit connu, bien avant qu'on se soit parlé, bien avant que je t'ai venu, je savais déjà que je t'en voudrais. Bien avant qu'on se soit déçu, bien avant qu'on soit des déchets, bien avant ce goût de déjà vu, je savais déjà qu'on y resterait. Que personne ne sortira d'ici, que personne ne retiendra la nuit, qu'on n'ira pas tous au paradis. Bien avant